وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. التزكية, elle est sur trois choses. Toi envers Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le serviteur envers les créatures, envers les autres créatures. Envers Allah, c'est que tu te purifies du shirk, du polythéisme, et que tu voues un culte exclusif à Allah. Tu n'adores que lui. Tu t'en remets à lui. Tu mets ta confiance en lui. Tu n'invoques que lui. Tu ne crains que lui, la vraie crainte. Tu espères l'espérance qui mérite qu'Allah, qu'en lui, subhanahu wa ta'ala. Dans tous tes actes, tu ne cherches que le visage d'Allah. Tu ne lui donnes pas d'associé dans tes actes. C'est-à-dire que tu ne fais pas tes actes avec ostentation. Tu ne cherches pas les louanges des gens. Tu ne cherches pas de récompense mondaine dans les actes d'adoration. Tu ne recherches pas la célébrité, une place, la présidence, que les gens te regardent, d'attirer le regard des gens. Tu ne recherches rien parmi les choses de ce bas monde. Tu ne recherches que le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Sa récompense qu'il a préparée pour le muttaqin, pour les gens pieux. C'est ça, at-tazkiya, en premier lieu. C'est que tu voues une adoration sincère, pure à Allah subhanahu wa ta'ala, sans associé. Et ça, c'est le sens essentiel de la tazkiya. Et subhanallah, les sectes soufis, elles sont là à parler de tazkiya du matin au soir. Ils ont oublié le sens le plus important de la tazkiya. Ils donnent des associés à Allah et ils sont là, ils font l'effort que sur le comportement. Leur sens premier pour la tazkiya, ils ont oublié les deux sens essentiels, ils ont pris que le dernier. Le comportement entre toi et les créatures, c'est tout. La gentillesse, le sourire, hein, on aime tout le monde. D'accord, c'est bien, ça fait partie de la tazkiya. Mais il y a deux sens qui sont au-dessus de cela, essentiels, qui sont d'abord la purifier tes actes, purifier ton cœur, que la sincérité elle emplisse ton cœur, que tu ne voues qu'un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne lui donnes pas d'associé. Et ça, ils sont tous tombés dedans, illa man rahim Allah, dans leur exagération au sein, dans leurs exagérations envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième sens de la tazkiya, c'est ta relation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu purifies tes actes de toute innovation. Que tes actes soient purement du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu ne fasses rien dans la religion avant que tu aies en cela un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu sois attaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa sunnah, plus qu'à ton attachement à toute chose. Que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta femme, tes enfants, ta famille, tes amis, ta propre personne, tes biens, l'argent. Après Allah Ta'ala, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu dois aimer le plus. C'est ça, que tu purifies tes actes de toute innovation. Que tes actes soient sincèrement et purement et uniquement dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu purifies tes paroles de toute innovation, tes croyances, tes actes, ta da'wah, ton organisation, toute chose, tout acte religieux que tu fais, ça doit être purement dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième, c'est envers les créatures. Que tu ne portes pas dans ton cœur la haine envers les musulmans. Tu ne portes pas dans ton cœur la jalousie envers les musulmans. Que tu ne portes pas dans ton cœur d'orgueil envers les musulmans. Que tu ne méprises pas les musulmans. Que tu ne les regardes pas de haut. Que tu ne sentes pas que tu es mieux qu'eux. Que tu ne triches pas avec eux. Que tu ne leur mentes pas. Que tu sois un bon conseiller pour eux. Que tu sois loyal avec eux. Etc. etc. C'est ça le sens de la tazkiya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère en bien ce qu'il aime pour lui-même. Et parmi les causes de matérialiser cela, c'est le fait de passer salam. Passer le salam à tous les musulmans. Celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a encouragé. Il a dit, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas de croyants. Vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique un acte? Qu'en le faisant, vous vous aimerez les uns les autres? Répandez le salut entre vous. Dans un autre hadith, il a dit à une personne, passe le salam à celui que tu connais et celui que tu ne connais pas parmi les musulmans. Aujourd'hui, on passe le salam qu'à celui qu'on connaît. Tu rencontres un musulman que tu ne connais pas, tu le croises, mais subhanallah, en plus dans le ghurba, on est dans un pays de kufr. Il y a peu de musulmans, même là, on se regarde comme s'il n'existait pas. Je suis passé à côté d'un poteau. Dis assalamu alaykum. Tu vois que c'est un musulman, salam alayhi. Il va te dire, ah, tu me connais? Non, je ne te connais pas. Assalamu alaykum.
Tellement maintenant c'est devenu rare de passer salam à quelqu'un que tu connais pas, tu vas dire salam alaikum, il va te demander on se connaît? Non, je te passe salam parce que j'ai vu que tu étais musulman. Ça, c'est une cause, inshallah, de purifier son cœur envers les musulmans et de ne pas garder de rancœur envers eux, d'aimer pour le bien pour eux, d'aimer la guider pour eux, d'aimer qu'ils s'éloignent de l'égarement, d'être un bon conseiller pour eux, de ne pas porter de haine envers eux, de ne pas penser du mal sur eux, sauf celui qui fait le mal en plein public ou en apparence. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.